Ferrand and Tata Supra Pulvu. Premier La Croix. La ferre métier gros de légumes o et un pissement de sel et tout ce et besoin de faire ses croûts. Il a fait tatar favori milieu de habituel. Dans un grand bol, elle et toi de la ferre et le demi-petit cuillère de la sel. Mélange une demi-tasse de la matière gras jusqu'à ce qu'il ressemble les miettes. Remue une quarte tasse de l'eau jusqu'à ce que la pâte ressemble une balle. Divise la pâte en demi et forme un petit balle. Emballe dans la pellicule de plastique et refroidis dans le réfrigérateur pour 4 heures. Quatre heures passées. Roule la pâte sur une gâchette avec la farine. Ne fais pas plus de travailler. Utilisez un moment ou recette dit. Fini. Les ingrédients. 2 œufs, une journée d'œufs, une tasse de lait, une petite cuillère de vanille, une cuillère de 2 cuillères de farine, une petite cuillère de sel, 2 tasses de cassonade et une croûte à la tarte. Chauffe le four à 400 degrés Fahrenheit. Fouette les œufs et les œufs jaunes dans un bol jusqu'à ce soit une mousse. Ajoute de lait, le lait et vanille. Batte bien. Remue lentement de la ferre, le sel et la cassonade. Versez le mélange dans la croûte. Curie la tarte à la chaux pour 10 minutes. Baisse la température à 350 Fahrenheit, 175 Celsius. Cuire jusqu'à le sang soit réglé à autre 35 à 45 minutes. Refroidis sur le cassette. Serre à la température ambiante. Cette région est une spécialité régionale de miel. Cet agréable mélange de cassonade et œufs réglés épaisse une tarte à la citrouille. La tarte au sucre est le parfait à ses desserts riches en sucre. Baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand
Sean Paul Taylor. Alors, alors,